Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max, la chaîne du Japaf et du Père. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, non, il y a quelque chose, quand il y a Dieu dans ton affaire, les hommes, les êtres humains ne peuvent rien faire. Les détracteurs ne peuvent rien faire, les haineux ne peuvent rien faire. Quand il y a Dieu dans ton affaire, quand tu es un enfant béni, vous comprenez un peu. Voyez comment Kimi est béni là, non? Comment ces choses marchent et tout, et tout, et tout. Oui. Axel avait vu ça. C'est pas pour rien, parce que Axel, c'est un autre enfant béni. Quand deux enfants bénis se croisent, ça donne seulement la magie. Vous comprenez un peu? C'est, vous voyez peut-être l'ascension de quelqu'un comme Fatou. Fatou a une étoile qui brille jusqu'à. Ce n'est pas bon. Seule chose qui manque à Fatou, c'est croiser aussi un gars qui a l'étoile qui brille comme ça. On n'a pas encore croisé ça. Oui. Et Fatou, les gens comme Fatou ont seulement ma chance que Axel est déjà lié avec Hakimi. Là, c'est à vie. C'est même pas que mariage, mais c'est un contrat. C'est comme si c'était un contrat spirituel à vie. Ils sont appelés à travailler ensemble. Oui. C'est à vie. Et là, maintenant, si Axel, par exemple, pas maintenant, peut-être qu'on a encore ce nom, peut-être comme Fatou, qu'on va faire les choses ensemble, ça va pas, ça va plaire aux gens. Ça va même énerver plutôt les gens. Vous comprenez un peu? C'est ça. Mais Axel a l'étoile. Il faut avouer. Voilà un fan qui achète les tickets. Celui-là, il achète juste parce qu'il voit que non, le petit est en train de se battre contre vents et marées. Avec les détracteurs partout, les gens qui cherchent à saboter son truc partout. Wow, on a saboté la voix d'Axel combien de fois? Combien de fois on a saboté Axel? Il est là, il sort. Celui-là, il a un mental d'acier. Alors, c'est un mental d'acier, c'est à admirer. Donc, le fan a acheté les billets pour partager. Oui, regardez la vidéo. Regardez cette vidéo. Cette vidéo est très... Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir, je vous jure. C'est le geste comme ça. Ça fait que tu respectes même encore la personne. Tu respectes encore Axel, mais Axel, le petit Axel, si même. Pasteur Makoso t'a prêté ses huiles de garba là pour que tu oignes aussi sur toi aussi. Moi, je ne comprends pas. Non, c'est bien ça, mon fils, mon petit frère. Oui. Il dit mon fils parce que j'ai vécu plus que toi. J'ai vécu des situations que tu ne vas jamais vivre dans ta vie. On dit la sagesse. La sagesse appartient à ceux qui ont vécu. Oui. Regardez la vidéo du fan si je vous reviens. Bonjour la famille. Je suis avec un fan du King Axel Meryl qui a tenu à offrir des tickets. Donc, je suis venu les récupérer. Donc, il a un mot à l'endroit du King. Et qu'est-ce que vous pensez de Axel? Pourquoi vous l'aimez? Bonjour Axel Meryl. Mais on a un lien particulier déjà. Moi, ma grand-mère et ma mère ont vécu au moins plus de 20 ans au Bénin. Moi-même, j'y étais deux fois. J'habitais à Papa Centre. Et puis, moi, ce qui m'a surtout plu chez toi, c'est plus que le l'art, c'est surtout le caractère. Un caractère unique, une personne qui est droite, qui a un caractère trempé dans de l'acier et qui se bat. Franchement, tu es unique sur la toile. Et Dieu nous a amené une personne vraiment en Afrique, c'est pas évident, qui sait ce qu'il veut et qui va de l'avant, qui se bat. Bon courage à toi et que Dieu multiplie tes actes et les sanctifie. Amen. Vous avez vu? Vous avez vu? Et c'est comme ça. Achetez les tickets, partage. Non, non, pour donner aux fans, pour qu'ils partent. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir. Vous avez vu dernièrement, même il y a tellement Arsène a les fans en Afrique, mais ils ne peuvent pas voyager. Donc il a offert deux tickets. Oui. Billets d'avion. Oui. Donc tu viens assister au concert. Arsou, on peut avoir un cœur comme ça. J'ai vu même la vidéo d'un autre là qui était en train de dire comment. Il dit, appelez-moi Arsène ici là. Arsène, viens t'asseoir. On peut être humble comme ça. Que je fais un truc sur poste sur Arsène. Il vient sur ma vidéo. Il commente. Comment il commente? Il ne s'attendait pas, il dit, mais c'est qu'on dit que c'est Axel qui porte le flambeau de la musique béninoise actuellement. C'est Axel le King.
Pour simplifier, peut-être vous ne croyez pas que c'est le king. C'est le BSA qui a gagné. Access, c'est le king actuellement. Access, c'est le king au Bénin. Donc lui, c'était merde. Donc il est venu commenter dans mon truc. Comment, mais il était étonné. Oui, c'est comme ça, il est humble. Quand tu le connais, tu ne peux pas savoir que c'est une star. C'est une, mais regarde, très humble. Il devait être en train de jouer les gros dos. Oui. Jouer les gros dos. Regardez comme par exemple, quand tu le compares par exemple à Fanico. Il est plus populaire que Fanico. C'est pas que Fanico se donne des airs, mais Fanico, quand tu vois Fanico, tu sens qu'il est un peu plus, il se sent plus. On se comprend. La personnalité de Fanico, il se sent plus. Arsène est plus humble et tout. Fanico, lui, se sent quand même, il se sent. Pourtant, Arsène est 4000 fois plus populaire que lui. Oui, Arsène est 4000 fois plus populaire que Fanico. Tu as chanté un titre qui m'a beaucoup plu là. Hey, faut pas m'embrouiller. Hey, j'ai des soucis, chérie, faut pas m'embrouiller. Oh, je vais de rentrer au pays, de voyager au pays, le temps là, quand le son l'a chauffé. Après, un long séjour en Europe, je n'ai pas voyagé au pays. Quand je me dis, faut pas m'embrouiller. C'est ça qui chauffait un peu partout, avec les Daphné et tout ça. Oh, je me rappelle seulement l'époque là. Oh, j'étais content de revenir au pays. J'étais fier. Donc le son là a fait mon séjour de Fanico là. Ouais. Oh, les souvenirs. C'était en quelle année là? C'était dans les 2018-2019. Quelque chose comme ça, non? Oui. Oui. Oh, faut pas m'embrouiller. Le temps passé. Ah, il y a peut-être 6 ans. Faut pas m'embrouiller. Aïe, la famille. Ah ouais, c'est ça. Eh, Arsou. Rendez-vous le 13 juin. Il y a les billets sont disponibles. Même comme ça, en train de diminuer petit à petit. C'est encore disponible, hein? Donc allez prendre les billets. Et la famille, on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci à ce fan là, oui, qui dit que les Béninois comme Arsou. Vous voyez, quand on dit que nous on va acheter aussi, il dit que sa mère, sa grand-mère ont vécu là-bas plus de 20 ans. Moi, je dis que je vais acheter mon terrain là-bas. Vous pensez que je blague? Vous pensez que je blague? Je vais acheter mon terrain au Bénin. Quand moi je dis, je fais. Bisous et à sa pronto.